Mon propos va recouper, pour le temps qui nous reste, hein, va recouper des choses qu'ont dites ce matin Pascal Aury, Vincent Feltès, et puis aussi l'autre qui avait eu quelques velléités de réforme de l'école des beaux-arts, mais qui, devant l'inertie de l'institution, avait assez vite reculé, mais qui a été un de ceux qui ont essayé, à la fin des années 50, de faire bouger l'institution. Alors, j'aimerais parler de trois moments critiques, trois moments de crise où on s'aperçoit que les architectes ont eu un rôle dans la réforme de l'État. Je dirais contre l'État, mais tout contre l'État, dans une sorte d'aiguillon prospectif. Mai 68, mai 81 et ses suites, avec la controverse modernité-postmodernité que Jean-Louis a évoquée ce matin. Et si on a le temps, bien la dernière crise en date, hein, celle des années 2008-2009, qui est bien sûr une crise immobilière, parce que les crises, c'est toujours des crises immobilières avant tout, dont Vincent Feltès a évoqué les grandes lignes tout à l'heure. Alors, 68, c'est aussi une crise de l'urbain, c'est aussi une crise de l'urbanisme fonctionnaliste, le mouvement du 22 mars né à Nanterre, sur une ligne et sur des mots d'ordre qui sont une critique en acte du zoning et de ses conséquences spatiales. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un peu avant 68, parce qu'en fait, 68, dans la mémoire des acteurs, est devenu une sorte de topos, de lieu commun. Tout s'est passé au mois de mai. Et on s'aperçoit assez vite que, notamment dans l'univers des architectes, les choses se passent bien avant. Sans revenir à Marcel Lotz, elle se passe en 62, lorsque le processus de réforme est entamé. Elle se passe à la rentrée 1965, quand un groupe expérimental est créé au Grand Palais. Et elle se passe même le 22 avril 1968, quand les décrets qui créeront les UP sont prêts pour la signature, avant le mois de mai. La décision officielle sera annoncée en décembre 68, mais les décrets étaient prêts pour la signature en avril. Donc voilà, encore un jeu entre l'histoire et la mémoire, qui concerne donc particulièrement le milieu des architectes. Alors, 68, c'est d'abord le déclassement, la perspective du déclassement chez les architectes, avec une crise généralisée de la croyance et doublée une crise de succession entre les générations. Le système des beaux-arts, tel qu'on l'appelle à l'époque, en fait, c'est le système d'attribution de la commande publique. J'apprends rien à la majeure partie de l'auditoire d'aujourd'hui. Le système général d'attribution de la commande publique d'architecture qui est en cause à travers l'enseignement. Et le syndrome du déclassement à travers les derniers feux de la reconstruction. Et ce qu'a dit Pascal Aury très bien, très clairement ce matin, c'est encore une fois un jeu entre les deux pieds, les deux jambes de l'architecte, entre l'intellectuel et l'artiste. Et son propos était très clair dans le sens où il doit marcher sur ses deux jambes, mais il se trouve que parfois l'une est plus forte que l'autre. Et avant 68, c'était celle de l'artiste qui primait, et après 68, ce sera celle de l'intellectuel. Et les événements de 68 peuvent se lire dans le monde des architectes comme un désir d'inversion de la norme, passer de l'artiste, de l'architecte artiste, à l'architecte intellectuel. Alors, d'un point de vue plus sociologique, mai 68 chez les architectes, c'est aussi le refus des attributs du corps. Et ça, c'est un rôle important si on regarde le jeu que joue cette profession dans la division du travail, de la fabrique, de la ville. Le corps des architectes avait sa place. Il avait sa grande école. Il avait son concours d'admission. Il avait son numerus clausus. Il avait tout ce qui, sociologiquement, en faisait un corps reconnu par l'État. Les magistrats ont fait 1968. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature en est un héritier lointain, jusqu'aux polémiques récentes sur le mur des magistrats épinglés dans les locaux du syndicat. Il y a un esprit de 68 qui perdure. Mais les magistrats ont gardé leur ENM, leur École nationale de la magistrature, avec leur concours d'admission, avec tout ce qu'il faut pour les installer sociologiquement. Les médecins ont fait aussi mai 68, mais ils ont tout gardé. Les architectes, on peut dire qu'ils ont tout jeté. Et sociologiquement, c'est très courageux. Ils ont cassé leur grande école, ils ont cassé leur concours d'admission, ils ont cassé leur prix de Rome, tout du moins ils ont cassé les avantages liés au grand prix de Rome, ils ont jeté aux oripeaux finalement tout ce qui faisait d'eux un corps installé dans la société. Et tout ça pour atterrir nulle part. C'est-à-dire que leur souhait, ils voulaient être des intellectuels, ils voulaient donc atterrir à l'université. Non, ils ont atterri quelque part au milieu. Alors, Pascal Aury parlait de science socialisation, c'est une manière de le dire, de l'enseignement d'architecture. Mais on peut dire qu'en effet, c'est un des effets collatéraux de ce no man's land.
Sciences socialisation que je tempérerai très fort aujourd'hui, pour ma part, enseignant dans une école d'architecture. Bon, sans pour autant me sentir isolé et mis à part, la place des sciences sociales est toujours à légitimer, je pense, dans les écoles d'architecture aujourd'hui. Bon, donc 68 est intéressant dans le sens où il y a ce questionnement très fort adressé au corps et en même temps qui recoupe ce sentiment de déclassement qui est une sorte de prise de conscience diffuse de la forme désuète de l'enseignement des beaux-arts par rapport à l'essor industriel que vient de vivre la France. Et ça, c'est aussi un des éléments essentiels. Quand on regarde, par exemple, le sujet du prix de Rome en 1966, c'était une île artificielle. Évidemment, on est loin des problèmes même que Peter évoquait sur la banlieue et sur la question du logement. Le concours du prix Redon en 1958, le thème était une usine de préfabrication lourde. On peut dire que là, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, un peu trivialement. Le professeur de théorie a démissionné au début des années 60. Donc il n'y a plus personne pour faire la synthèse entre les projets aux Beaux-Arts. Finalement, c'est tout le système qui s'effrite par petits pans. Si on regarde donc cet esprit de corps, en plus, il y a un rejet de toutes ces formes d'expression, un rejet du folklore, un rejet des traditions d'atelier, un rejet de l'enseignement mutuel sur lequel aussi reposait l'enseignement entre les anciens et les nouveaux, un rejet aussi du sens partagé des enjeux et des investissements, un refus du projet qui est quand même aussi un élément très marquant si l'on regarde ces années-là. Et puis l'effondrement d'un esprit beaux-arts. C'est une sorte, quand on relit les textes de l'époque, on est assez interpellé par ce mélange entre une sorte d'éthique, un amalgame d'humanisme chrétien, bon ton, un modernisme mal digéré, un peu fantasmé, un évolutionnisme un peu naïf vers le progrès indéfini, et puis une exhortation un peu candide aussi aux sensibles. Aussi un idéal corporatiste assez fort. Ça donne des gens, mais on connaît tous cette histoire, qui vont à Rome pour ensuite dessiner des grands ensembles, et tout en étant épatés par la plasticité du béton. Donc il y a vraiment, et c'est aussi très intéressant quand on regarde 68, il y a un vrai refus éclairé d'une frange, de la frange des étudiants les plus brillants de leur classe d'âge, couplé aux jeunes assistants. Bernard Wett, par exemple, en étant la figure achevée. Donc, finalement, comment répondre à ces questions que pose directement, j'aime beaucoup cette caricature de Pilote, où un dessinateur qui est inconnu aujourd'hui, Gordy, se pose la question du projet chez les architectes. Et voilà, c'est ma fille qui a fait quelques effets sur mon PowerPoint hier soir. Voilà, une côtelette. Finalement, un supermarché, une fourchette, un restaurant. Il y a cette manière de projeter, mais qui est toujours au tréfonds, je pense, hein, et pour voir et accompagner avec plaisir et intérêt des studios aujourd'hui, ou les retrouver au moment des jurys, il y a toujours ce mécanisme indéfectiblement à l'œuvre, qu'il faut sans cesse à la fois conserver, mais tempérer. Question de base étant pourquoi ta tour n'a pas deux étages de plus ou de moins. Et là, souvent, la réponse se fait attendre. Donc, il y a aussi cet esprit de corps qui est combattu sur le plan de l'école. Il y a ce numéro de Partisan qui était très virulent et qui d'ailleurs a été repris par Hervé Lebras récemment dans une tribune, où pour évoquer le caractère figé de la société française, revenait à cette enquête de Partisan. Qui avait bien compris que l'école des Beaux-Arts était le lieu même de la reproduction sociale. Et c'est curieux, il y a 15 jours, j'ai trouvé une tribune d'Hervé Lebras pour décrire la société française, faisait référence à cette enquête à laquelle il avait participé, puisqu'il enseignait à l'époque à l'UP8, enfin l'atelier collégial, et puis à l'UP8, où il faisait allusion à cette enquête qui montrait la reproduction sociale à l'œuvre à l'école des Beaux-Arts, ce qui est aussi un aspect de ces années-là. Donc, on voit bien l'homme de la synthèse, finalement, il est dépassé à cette époque-là, et l'inversion de la norme de l'architecte artiste vers l'architecte intellectuel s'avère un enjeu de lutte. Il y a aussi, à travers cette idée de lutte, d'inversion,
l'aspect sous-jacent qui est se renoncer en tant qu'architecte. Il y a une forme de haine de l'architecture qui se dessine autour de ces années 68. Il vaut mieux parler d'années 68 que de mai 68. Là, bon, c'est bien connu, tous les textes de témoins qui ont raconté qu'architecte était devenu une insulte à l'époque. Il y a une forme de haine de l'architecture qui se développe à ce moment-là. En fait, si on voulait reprendre les catégories de Max Weber, il y a un effondrement des fondements d'une domination légitime. Le fondement rationnel, la croyance en la légalité et la légitimité des règlements, le rationnel, c'est par exemple la mise en cause de toutes les structures de la profession, de l'ordre, qui est aussi un des piliers donc, de ce système. Fondement rationnel, fondement traditionnel, les rites, le folklore, les traditions qui sont mises en question. Et puis, le troisième fondement, charismatique, c'est-à-dire la croyance en la valeur exemplaire du patron d'atelier qui disparaît ou qui est mise à mal à ce moment-là. L'histoire, l'aventure de la fondation de l'atelier collégial étant sans doute la plus parlante à ce propos-là, Bernard Huette étant un ancien d'un atelier fortement installé dans le système, celui d'Aretsch, et partant à l'aventure sur la suggestion d'étudiants curieux et les emmenant dans une aventure collégiale. Il y a quelque chose de l'altruisme orgueilleux chez Bernard Huette. Donc il y a cette crise de succession à laquelle je reviens, et ce télescopage des trajectoires. Mais à nouveau, tout contre l'État, parce qu'il y a une redéfinition des propriétés des architectes dans la division du travail. Pascal Horry parlait ce matin tout à l'heure de l'intellectuel, et il y a aussi la question urbaine. Et cette question urbaine est fortement liée à ce versant intellectuel. Et le rôle de l'architecte dans la division du travail ne consiste plus à faire des édifices isolés. Et finalement, les aphorismes un peu bancals de l'école des beaux-arts, du genre un tribunal c'est une porte, la sociologie c'est une coupe sur une ruche, c'est assez marrant de revoir ce qui pouvait être donné comme recette finalement et comme schéma. Comme béquille à la conception, ces béquilles ne tiennent plus dès lors qu'il s'agit de projets urbains et de planifier l'urbanisation, qui à l'époque, on le sait, est galopante. C'est l'époque où les villes nouvelles sont mises en place. On sent bien que les plus éveillés d'une classe d'âge ont compris que les enjeux allaient se déporter. 68, c'est une histoire de bons élèves, finalement, mais de mauvais bons élèves, en quelque sorte, qui rejettent l'école telle qu'elle était jusqu'ici. Donc cette intellectualisation, elle est aussi récurrente dans la profession d'architecte. Blondel, Pascal Horry en parlait ce matin, avait posé ces principes quand il opposait les arts libéraux et les arts mécaniques. Finalement, c'est toujours cette vieille histoire dont il s'agit. Une sorte d'anoblissement perpétuel de cette profession. Il a aussi parlé des impressionnistes, et c'est, la comparaison est tout à fait symptomatique, en effet, d'une révolution symbolique qui se joue à ce moment-là, un siècle après celle que Viollet-le-Duc avait manquée en 1863. D'ailleurs, il est frappant de retrouver dans les comptes rendus des séances de l'Académie des Beaux-Arts, Urbain Cassan et Jacques Carlu faisant référence à Viollet-le-Duc pour décrire la situation de 68 qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas dupes, finalement, de ce qui se passe sous leurs yeux. Finalement, la banque centrale, 68, c'est l'histoire d'une banque centrale qui s'écroule, la banque centrale de la rémunération symbolique du travail des architectes. Et la décennie suivante sera une décennie de mise en place de nouveaux repères, le programme Architecture Nouvelle, les albums, la MIC, tout ce qui structure notre vision des hiérarchies encore aujourd'hui, sur la relance des Grands Prix nationaux, dont Marc Barani fait partie. Tous ces anciens repères se suppléeront aux précédents qui s'étaient donc écroulés. Et puis l'insistance, notamment la loi de 77 sur la qualité architecturale, qui laisse cette insistance sur la qualité architecturale, comme toutes les formes d'insistance un peu persistantes, laisse planer un certain doute, évidemment. Bon. Mais, encore une fois, les architectes avaient perdu le confort de leur situation sociale et ils avaient eu le courage de rejeter tous les repères qui jusqu'ici fondaient l'utilité et la justification de leur intervention. Malraux, c'est intéressant, on retrouve dans les archives un communiqué du 14 juin 68. Malraux dit qu'il faut supprimer des institutions inadaptées telles que l'École des Beaux-Arts et le Grand Prix de Rome. Évidemment, les révolutionnaires avaient le soutien au plus haut niveau.
Malraux, encore 6 décembre 68, il annonce la réforme sur Radio France avec Mourouzi et il dit « Rome n'a rien d'essentiel à enseigner à nos architectes ». Voilà, la messe est dite. Il ne faut absolument pas sous-estimer ce qu'il y a de légitime dans la revendication de nos étudiants en culture générale. Et il est urgent de moderniser la profession. Moderniser la profession, ce sera le concours sur invitation. Finalement, les architectes vont faire partie de ce grand mouvement de libéralisation de la société française, c'est-à-dire de mise en concurrence de ces individus, à travers la procédure d'attribution non plus sur les listes d'agrément et les ministères constructeurs, mais le concours et les collectivités territoriales, dont Vincent Feltès était un représentant ce matin. Libéralisation, décentralisation. Finalement, les architectes auront fait comme les autres. Ils auront emboîté le mouvement à leur manière. Bon, donc inséparable d'un vaste mouvement de modernisation de l'État. Alors, je passe quelques images sur ces années-là. Ça, c'est 1970. L'École des Beaux-Arts va encore subir pendant plusieurs années les soubresauts de ces événements. Je pense que c'est plus intéressant ce qui se passe après, finalement, d'une certaine manière. Et l'inversion des hiérarchies, qui est aussi très caractéristique des périodes, des moments critiques. L'inversion aussi au profit de l'écrit, hein, c'est les fameux, mais que j'ai peu vu, ma foi, diplôme 21-29-7, entièrement dactylographié. Il n'y a pas dû en avoir tant que cela. Mais il n'en reste pas moins, à nouveau, que c'est plutôt les plus brillants d'une classe d'âge qui sont, à ce moment-là, au premier plan de la contestation. Avec aussi, là c'est le gauchisme militant de l'après 68, mais avec aussi une revendication, je l'ai dit, un appel à la science, une revendication en faveur de la théorie, majusculisée, en ces années-là. L'idée qu'un hôtel de ville c'est un escalier ou un tribunal c'est une porte a fait son chemin finalement, hein. Ou qu'un pavillon de chasse doit sentir le fauve, bon, à partir de là, on peut faire un projet, mais une esquisse, mais faire un projet, c'est une autre histoire. J'avais même relevé celui-ci, la barre, l'habite, la barre, la tour, un petit gris qui passe, une petite teinte, et c'est ça l'architecture. Bon, d'une manière générale aussi, 68, c'est l'apogée des sciences humaines, et elles seront dans cette histoire, et... je dirais, médiatiser, reformuler à l'aune de tout le spectre du gauchisme. Donc ici, c'est le maoïsme spontanéiste, hein, de tout. On voit comment la question de l'urbain est traitée, qui aura une période assez brève, de 2 années de parution, mais qui sera un vrai succès, vendant à 40 000 exemplaires, ça laisse un peu rêveur aujourd'hui, même peut-être pour Libération. Il y avait énormément d'architectes, Roland Castro, Jacques Barda, Pierre Grandier. Et puis, Vacances ou liberté, 11 mois sous pression, le 12e sous contrôle, en passant donc une attaque frontale contre les références de la profession. Et le creuset, et tout en ce sens, avait vraiment un rôle catalyseur. Il y avait Guy Hockenheim aussi, par exemple, et il y a les luttes homosexuelles, les luttes féminines, les luttes régionalistes, les luttes des jeunes comme catégorie d'âge. Songez qu'à l'époque, on avait créé un front de libération de la jeunesse, le FLJ, autour de tout, ça s'appelait. Ça laisse un peu rêveur. Autour de la ville qui condense finalement... il n'y a pas la flèche. Oui, la ville qui condense cette fragmentation des luttes. Et... l'autre spectre du gauchisme rouge, on voit très bien que la question du logement est traitée sur un tout autre pied, beaucoup plus économiciste. Actuel, dans sa version aussi, qui finalement accompagne le mouvement de retour à l'authenticité, qu'on a pu, un peu de manière ironique, appelé le mouvement poutre apparente, le retour à la campagne, le retour à une forme d'anti-urbanisme, de développement des villes telles qu'elles étaient à l'époque. Alors, on en arrive justement à ce moment clé qui est finalement la naissance, enfin l'émergence de la question des périphéries, et qui a partie liée évidemment avec toute cette histoire.
Donc les visites en hélicoptère ont la vie longue déjà, mais Giscard d'Estaing pilotait le sien lui-même en bon polytechnicien. Hein. Mais à travers, ça c'était juste après les événements de 2005, à travers ces questions, c'est un problème récurrent évidemment, il y a eu quand même le moment de mai 81 où s'est posée très clairement la question des banlieues, du fait des architectes, encore Roland Castro, l'appel aux politiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique du mode de fonctionnement aussi de cette profession, en tout cas dans ces années-là. C'est d'ailleurs ce qui fait que ces années 80 sont à la fois si proches et si lointaines, c'est qu'on a du mal à se représenter combien la politique est au centre, finalement, des enjeux de cette profession et comment, combien elle avance frontalement des mots d'ordre à destination du politique dans l'héritage donc, des événements de mai 68. Avec toujours ce talon d'Achille qui consiste à essayer de faire exister par le slogan ou par des modèles, donc là ce sont des images de l'almanach d'actuel, et qui donc à la fois la force du slogan et la personnalisation de l'appel aux politiques compromettent à brève ou moyenne échéance la continuité de ces projets. Finalement. Mais c'est un bon, je pense que c'est un bon signe catalyseur du rapport qu'entretient à l'époque l'architecte politique. Alors, dans ces années, il y a aussi une forme de haine de soi qui est aussi une forme d'héritage de la critique violente de l'après-mai 68 et qui est aussi un des rameaux, une des racines du postmodernisme dont on a parlé. Ce matin. Il y a cette enquête de Léon Krier que j'aime personnellement, que j'aime beaucoup, où il y a une sorte de rappel à l'ordre du privé. Et Guy Hockenheim avait fait exactement la même chose juste après mai 68 en envoyant à tous les leaders de la contestation, les intellectuels François Châtelet, Michel Foucault, etc., un questionnaire où il leur demandait combien ils gagnaient, où ils habitaient, etc. Et il y a eu très peu de réponses. Et Léon Krier, lui, prend son appareil photo et il va comparer les demeures de nos grands architectes modernistes et leur construction. Bon, voilà, il y a d'où parles-tu camarade en fait, c'est la vieille interpellation de 68 qui est relancée ici. Et en soi, c'était une des vertus du postmodernisme que de sommer à se poser des questions fondamentales. Alors, vous avez sans doute déjà, c'était publié, paru dans les archives d'architecture moderne. Et c'est vrai que le néo-victorien a quand même la binure dans les choix immobiliers. Des architectes Foster, Rogers, Peter Cook, Allison et Peter Smithson. Bon. Alors, il y a aussi donc la suite de ces années-là, pour certains, le refus de construire. Alors, la question qu'on peut se poser à partir de ça, c'est finalement le postmodernisme, c'est une alternative critique plutôt qu'un retour au classicisme. Ce choix proposé par Léon Krier va être un choix individuel. Le retour au néoclassicisme ne va finalement mobiliser qu'une frange assez réduite de l'élite des architectes. En revanche, l'alternative critique va perdurer. Et je pense qu'elle va perdurer, enfin, elle va perdurer en France aussi. Parce qu'on entend souvent dire, oui, le postmodernisme, c'est une histoire d'Américain. Non, non, ce n'est pas une histoire d'Américain. C'est d'abord une histoire d'architecte. Et c'est d'abord une histoire d'architecte qui se pose des questions fondamentales sur la mémoire et l'histoire, sur la place de l'architecte dans la division du travail, sur l'autonomie disciplinaire de l'architecture, sur la crise du logement et la question aussi du sens commun et du langage que Vincent Feltès évoquait par la bande tout à l'heure. Et en fait, cette histoire du postmodernisme pose une série de questions fondamentales. C'est quand et pourquoi s'engage un intellectuel ? Et on peut aisément, devant la faillite des grands ensembles, comprendre pourquoi les architectes s'engagent à ce moment-là. Et on peut, par exemple, comprendre assez bien les raisons d'un Jean Nouvel quand il déclare que l'avenir de l'architecture n'est plus architectural. C'est une phrase essentiellement postmoderne. A contrario, on voit aussi les apories du fonctionnalisme qui n'avait su fonctionner que sur son efficacité et qui, passé la crise de 73, évidemment, commençait à tourner à vide.
la modernité, dont on a vu les images tout à l'heure, qui avait la prétention de guérir la société en uniformisant ses sujets, en uniformisant ses formes de différenciation. Il y avait aussi, devant l'hédonisme contemporain, une forme d'impasse qui se décidait. Donc, Roland Barthes disait, dans son cours sur le nôtre, que dans toute mode, il y a un peu de vérité. Alors, on peut dire que le postmodernisme est une mode, mais il y a de la vérité dans cette mode, la vérité d'une situation de l'architecte à l'époque. Alors, en effet, pour rejoindre ton introduction, Jean-Louis, c'est la logique du signe qui aura remporté la mise. Et la question du style, et c'est sans doute ce que l'on peut regretter dans cette histoire. Finalement, on peut se demander si l'apologie de l'architecture sans architecte de Las Vegas, par exemple, a mis en danger le modernisme, ou si elle lui a simplement donné les moyens de se renouveler et de rebondir, finalement. C'est l'ambiguïté du postmodernisme. Et en effet, c'est la poursuite du modernisme par d'autres moyens. Je vais passer très vite mes images. Il y a une diapositive que je voulais montrer. Et c'est mai 81. J'en parlerai pas finalement, parce qu'il est moins 20. Théorie pratique, toujours le même. D'ailleurs, je vois Philippe Boudon parmi nous. Les grands projets, ça a été quand même très important. C'était l'occasion justement pour des théoriciens de passer à l'acte à cette époque-là, et notamment la Tête Défense et l'Opéra Bastille qui ont été des vrais succès. Bon, les luttes professionnelles, la question des ateliers publics, je pense que c'était une question aussi très importante, une autre division du travail avec des références qui catalysaient beaucoup finalement du terreau commun de la reconstruction des années 70. Hein. Un petit peu de Barcelone, du Venise, du Bologne, un petit peu de Cisa, un petit peu d'Alto, l'Amérique du Nord, Lynch, Venturi, Louis IV, Jane Jacobs, la question du quartier, du projet de quartier, des proximités. Les ateliers publics avaient porté toutes ces questions, mais se sont retrouvés assez vite marginalisés par la gauche de l'après-mai 81. Je passe. Et à l'époque, tout à fait relayé par le mouvement des CAUE. Avec toujours aussi, quand même en arrière-plan, la question de la division du travail, évidemment. Et la question des références. Le ravenir tard, l'ère du vide. Bon, ça a été synthétisé par des sociologues tout au long des années 80, le narcissisme, l'arrivée des stars de l'architecture. Et, alors, c'est l'intérêt des revues de l'époque, et ça a été dit aussi ce matin, une revue n'est jamais aussi pertinente que quand elle marche sur ses deux jambes, elle aussi, c'est-à-dire qu'elle a une réflexion théorique et des premiers investissements dans la pratique. Et AMC, à cette époque-là, a finalement ces deux versants. Et à travers les noms qui s'affichent comme ça en nuages sur la couverture, on voit très bien sa volonté de tenir ces deux versants. Et en même temps, une politique éditoriale qui laisse un petit peu rêveur aujourd'hui. Il y a peut-être plus d'acheteurs de livres aussi. Bon. Les grands projets, la starisation des architectes, la controverse modernité-postmodernité, la figure de Le Corbusier qui écrase ces années-là, et cette photo de domination avec un des grands Manitou de l'architecture des années 1980-1990, qui avait quitté la direction, c'est assez cocasse à rappeler, qui avait quitté la direction de l'architecture juste après mai 81, parce qu'il n'était pas d'accord avec la 101e proposition de Mitterrand. La 101e proposition de Mitterrand, c'était supprimer tous les ordres régissant les professions libérales. Bon, il est revenu après, il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose de changé à l'exercice de la profession. Mais Jean-Pierre Duport, dans un entretien récent dans la revue Urbanisme, raconte cette histoire, qu'il est arrivé à la direction de l'architecture sur le départ de Belmont, qui ne voulait pas cautionner cette proposition de suppression des ordres. Bon. Alors, voilà, je voulais arriver à ces diapositives, style et subversion. C'était au Victoria Albert Museum, il y a un an et demi, deux ans, une grande expo rétrospective où on avait une sorte de mausolée un peu momifiée du postmodernisme. Alors, il restait plus que le style, hein, la subversion. Il n'y avait plus grand-chose à la subversion, mais il y avait toujours ce discours des origines sur Pretty Go, sur les sentences de Charles Jenks. Alors, voilà.
C'est ça l'ambiguïté finalement du postmodernisme. C'est une sorte de la strada novissima dont on a parlé ce matin. C'est une sorte de poursuite du modernisme par d'autres moyens. Et par le hasard, quand j'étais en train de faire cette projection, en triant mes images, je suis tombé sur un blog et je me suis dit, mince, c'est pareil. Voilà, c'était les photos d'un dead mall. Et là, on retrouve exactement les mêmes façades plaquées dans la galerie marchande que celles finalement qui sont là. En tout cas, c'est mon interprétation. Et c'est dans ce sens-là que c'est la poursuite du projet moderne par d'autres moyens. Voilà. Donc, c'était une alternative critique et temporairement critique, mais qui n'a pas oblitéré finalement définitivement les notions de progrès, d'avant-garde, d'innovation, de nouveauté. En revanche, l'intérêt de cette alternative, c'est qu'elle a, en tout cas pour un temps, questionner la question du légitime et de l'illégitime, et du partage des références et des valeurs. Et ça, c'est un des aspects, à mon avis, importants du postmodernisme. Mais comme mai 68 avait exactement questionné de la même manière les partages, les grands partages entre savants et populaires, légitimes, illégitimes, et s'opposant au caractère, comme on disait alors, puritain de la modernité. Bon. Dans ce sens-là, je crois que dans la controverse modernité-postmodernité de l'après-mai 81, vous savez, où Paul Chemetov avait cette exposition « La modernité, un projet inachevé », Porzampar s'occupait de la faire venir la Biennale de Venise, avec aussi Bernard Huet, « La présence de l'histoire, l'après-modernisme », et puis donc l'exposition de Jean Nouvel, « La modernité ou l'esprit du temps », à mon avis, était la plus postmoderne de toutes. C'est elle l'exposition postmoderne, si on retourne à cette définition du postmodernisme comme un nouveau partage ou un questionnement sur le légitime et l'illégitime. Elle est plus venturienne, par exemple, que les autres. Enfin, on pourra en discuter. Tandis que la présence de l'histoire, par exemple, c'était, elle prétendait, je cite, opposer à la monotonie du style international les personnalités des architectes exposés dans la Strada Novissima. Finalement, on revenait toujours à cette histoire héroïque. Alors, deux mots sur... J'avais préparé un peu, mais il est parti, un avion à prendre. Sur cette compétition des 50 000 logements, qui m'a semblé très pertinente, en effet. Alors, en même temps, en entendant la présentation de Vincent Fazer, on se dit, finalement, les ateliers publics, ça n'a pas marché, parce que c'est le moment où le PS arrivait au pouvoir, mais au niveau national, et finalement se désintéressait du local. Il avait gagné 77, mais il allait perdre 83. Et ces ateliers publics n'ont pas eu leur moment de cristallisation alors, même si ensuite ils ont fait leur chemin, parce qu'il y a énormément d'architectes dans la fonction publique territoriale maintenant, parce qu'il y a eu un grand mouvement de création des agences d'urbanisme local, parce que finalement des compétitions comme celle-ci montrent que l'influence des architectes est très présente dans les grandes collectivités, celles qui ont les moyens de l'expertise. Donc finalement, le moment des ateliers publics a été récupéré dans le sens positif d'une certaine manière, avec ce paradoxe qui fait que la décentralisation, et Vincent Feltès en est l'incarnation, nous aura donné de grands élus pour gérer des problèmes de proximité. Et ça, c'est, et on voit souvent que les choses achoppent sur cette dichotomie. Et donc, Bordeaux, il y avait une véritable volonté d'expertise sur la question de la ville, avec un vrai choix de regard différent sur un même territoire. On voit très bien, dans l'inventaire préalable que chaque équipe a dressé, le regard d'Alexandre Chemetov et le regard de Rem Koolhaas. Là, on voit que ce sont des auteurs, on comprend que ce sont des auteurs qui regardent la ville, pour ainsi dire. Avec donc des stratégies d'adaptation assez raffinées. Alexandre Chemetov avait appelé sa proposition « ressources métropolitaines ». Et puis, dans une autre tendance, toujours cette tendance qui est consubstantielle à l'architecte, à survoler la ville de haut, hein, la vision, la vue scopique, qui est caractéristique des projets, des visions d'urbain chez certains architectes. Et donc médiatisée avec l'AUC dans une sorte de collection métropolitaine, des grands sites, des grands édifices, et pour l'OMA, dans un intérieur métropolitain, où justement, pour reprendre ces classifications du légitime et de l'illégitime,
on met en scène les différents registres du savant et du populaire dans les locaux d'Arc en Rêve à Bordeaux. Alors, ce qui m'a, et c'est dommage qu'il ne soit plus là, ce qui m'avait pour ma part interpellé quand même dans cette consultation, c'était toujours cette volonté de continuer à faire la ville par le chiffre. Il y avait eu en 2010 la biennale Agora, qui était organisée justement par Jamel Kous sur une métropole millionnaire, où il essayait, tant bien que mal, de mettre balle avec Mulhouse pour avoir le million. Le million, ça m'avait rappelé un jeu populaire à la télé. Nice et Cannes ensemble pour avoir le million. Il y a une sorte de course dont on perd le sens. En 2012 aussi, il y avait eu le congrès de l'AFNO, la Fédération nationale des agences urbanistes, qui est tenue à Bordeaux et qui s'intitulait « Chiffrer, déchiffrer la ville ». Qui justement avait toujours tourné toujours autour de cette question intelligence territoriale et renouveau de l'action publique locale. Donc je pense que c'est la question. J'enfonce une porte ouverte pour terminer, mais on a eu la ville des préfets à Paris, Haussmann, Guéant, entre les deux de l'ouvrier. On a eu la ville des universitaires, Edmond Hervé, Patrick Rimbert à Nantes, Edmond Hervé à Rennes, la génération de 77. Aujourd'hui, c'est quand même, quoi qu'on en ait, la ville des banquiers à laquelle nous avons droit. Et ces compétitions où les architectes manient le chiffre sont une sorte de reflet, encore une fois, de cet agenda auquel ils sont soumis, quoi qu'ils en aient.